Chers amis, bonjour. Nous voici sur les ondes à nouveau. Nous parlons d'archéographie, l'origine des choses, l'origine des mots. Donc, travaillons sur un dictionnaire énorme qui a demandé plus de 30 ans de travail et donc qui raconte l'origine des mots, l'origine des lettres, l'origine de tous les alphabets du monde et l'origine des mots qu'on pourrait classer comme étant les mots des religions. Donc, et il y aura, bien sûr, si Dieu me prête vie, d'autres tomes par rapport à ça. Mais, et si même il ne me prêtait pas vie, ben, je vous laisserai en tout cas de quoi poursuivre l'ensemble de ces travaux-là. Donc, rien ne presse, mais c'est pressant. Le sel. Melah en hébreu. Melh, on le retrouve en arabe, en langue sémitique. Le sel est lié à la mer. L'eau, la vague. Melh, qui rend le sel de terre. Ce melh, on sent le côté salé lorsqu'on parle en arabe. Melh, c'est extraordinaire. Hein? N'hésitez pas à saler à votre guise. Melh. Rajoute. Sans savoir qu'il faut tout faire, sauf en rajouter. Surtout pas du sel. En espagnol, sal. Salt. On retrouve la notion donc des cendres salées, des salicornes, avec donc ce sont ces plantes marines qui sont salées. En allemand, salz. Et salz, ah, les rois de la valse, hein, c'est salz, ça salz, hein, ça valse. Hein, c'est en anglais salt. Hein, et en suédois, en danois, en slave sli. On se retrouve en japonais shin, shio. En chinois. Yan. Et c'est, chacun a son sel de vie, son sel de la terre. Hein? Parce que chaque peuple a son franc-parler. Le français, il a même parfois son franc-salé. Hein? Quand la France royale, souvenez-vous, distribuait le sel gratuitement aux magistrats, ce sel cristallisé, sorti du sous-sol, du terroir, une réelle pierre précieuse qui n'avait rien de bizarre, de piquant ou d'absurde, loin d'être saugrenu, un sel grenu. Ce sel ben, que j'aime, G-E-2-M-E. Melh, melh, c'est deux lettres, le M, le L, ce sont deux lettres qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Nous avons assez de sel sur nous. Assez de sel dans toutes les plantes que nous trouvons, donc dans la nature, et le plus simplement du monde. Donc, le sel, n'en rajoutez pas. À bientôt sur la voie de l'archéographie. Et prenez soin de vous, tout est fait pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse écrire pour les générations futures. Donc, et tout dans la non-violence, extrêmement important.